Salut à tous et bienvenue à Actuel Média, votre webpage qui vous propose beaucoup de grandes choses. C'est le premier numéro de cette émission qui n'est autre que Reggae World. Bienvenue donc à Reggae World. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à Ouagadougou et précisément dans le quartier de Ouagadougou, en face d'un monument rempli d'histoire et d'émotion. Histoire de planter le décor, recevez déjà la salutation la plus fraternelle, paix, unité et amour depuis chez vous. La vidéo qui arrive, elle n'est autre que celle d'un groupe qui fait parler de lui depuis l'Hexagone. Cette chanson-là, elle s'intitule « Enfant du ghetto » et c'est en featuring avec le Sénégalais Meta Dia et l'homme, le Burkinabé, Alif Naba. Recevez ça. Allez, toi, enfant du ghetto, où que tu sois dans cette capitale africaine, partout dans le monde, sache que cette vidéo de Durbin, elle est pour toi. Quelqu'un disait comme ça qu'il est difficile d'atteindre un but qu'on n'a pas le pouvoir de passer. Alors, reçois ça, reçois toute cette bonne vibe que dégage en ce moment Durbin, Meta Dia et Alif Naba. Hope you find the Zion dream. Sorrow looks back, worry looks around, but faith looks up. I know. Jah won't let us down. Soon they will come. The mile away to Zimbabwe, hey, Brooklyn to the Mayan land. Lord. À titre informatif, les enfants du ghetto se sont appropriés ce titre qui a fait que le groupe Durbin a eu un Dix d'or. Et pour la petite histoire, le groupe Durbin s'est même déplacé sur Ouagadougou pour présenter le Dix d'or aux médias burkinabé et remercier Alif Naba pour sa collaboration sur ce titre-là. Toi l'enfant du ghetto qui nous suit en ce moment, si cette vidéo de Durbin t'a fait kiffer, sache que la vie est ainsi, tu n'auras personne tout le temps pour pouvoir t'aider, tu ne peux que compter sur toi-même. Donc prends ta vie en main, car tu es le seul maître de ton destin. Sur ce, Mo Faya. Bien, comme vous le savez, l'actualité sécuritaire, c'est les attaques terroristes. Et nos vaillants soldats, comme une seule personne, sont à tous les fronts, Mali, Niger, Tchad. Et donc pour ça, on leur fait déjà un passage au big up durant cette émission. Et on a une sister qui, elle, a pensé à sa façon de les soutenir et de démontrer combien de fois il faut remonter le moral de tous ces soldats qui sont au front. Elle, c'est Nourat et les Lance. Recevez. FTS Ramba. Passe panga.
si ce n'est pas la malédiction que tu portes sur toi. C'est bruit de ringuesse là. T'as pas peur? Meilleur moment pour soutenir un soldat qui, lorsqu'il est au front, et c'est en ce moment qu'ils ont le plus besoin de tout notre soutien pour bouter le terrorisme hors de nos frontières. Sur ce, big up les gars. Eh, j'oubliais, il y a aussi des femmes soldates. So, big up les sisters. Avec tout ce qui se vit dans la sous-région en ce moment, il serait très intéressant qu'on reste cohérent, qu'on reste dans la cohésion, dans la réconciliation et le pardon surtout. Et l'homme Sanabob, il nous le rappelle, il lui prône le pardon et le vivre ensemble. Très belle vidéo, Sanabob. On peut tout faire ensemble, on peut discuter ensemble, on peut étudier ensemble, on peut manger ensemble, on peut voyager. Ah mon frère, tu es mon frère, tu es ma sœur, nous sommes nos frères et sont nos frères, on peut vivre. Accepter de vivre, on peut même vivre assez bien pour la famille. Pour arriver à la paix durable, il faut beaucoup de concessions. La cohésion sociale, le pardon et la réconciliation sont nécessaires. Alors man, où que tu sois, pardonne-moi et pardonne autour de toi. Sur ce, on arrivera à une paix durable. Tonya mai, ya tina tilimne taba. Etonya bai, ya tina tilimne taba. Etonya burai, ya tina tilimne taba. Kunfa tumne siye, ya tina tilimne taba. Etonya tenga yemi, ya tina tilimne taba. Hey, ya tina tilimne taba. Hey, ya tina tilimne taba. Etonya mai, ya tina tilimne taba. Etonya burai, ya tina tilimne taba. Tonya mai, atila tilimne taba. Tetumda netamu, atila tilimne taba. Hey mon frère, tu es mon frère. Nous sommes des frères. So, brothers and sisters, si vous avez vraiment aimé sur ton antenne, nous aussi, sachez que ça nous a fait beaucoup, beaucoup plaisir de pouvoir vous distiller des bonnes vibes et d'être à votre compagnie tout ce temps-là. On va faire comme ça un big up particulier à l'équipe des actuels médias du côté de Bamako avec le brother Charlie Koulibaly, le brother à qui je fais un big up spécial, mon frère Askebe, man. Alors, le vivre ensemble, c'est nécessaire pour nous. Sur ce, pardonnons-nous et Jagai.